va arriver dans le ministère de la Culture, non pas pour aller rencontrer le ministre, mais pour s'installer comme ministre. Donc c'est vrai que ça fait un changement, j'allais dire, c'était maintenant le changement, de toute façon c'est la vérité, mais moi, je suis souvent allé au ministère de la Culture, j'ai même été conseiller de Louis de Pincec, et cette fois-ci j'y vais pour être le ministre de la Culture. Donc c'est à la fois de l'émotion, c'est de la satisfaction, c'est de la fierté, et puis c'est aussi de la responsabilité. Vous saviez que c'était le ministre de l'Agriculture ? Ouais, bien sûr. C'est vite fait maintenant. Hein. Merci en tout cas. Le journal, hein. Bonne journée. Hein. Merci. Hein. Je vais regarder par là, M. le ministre. Merci. Merci à vous. Merci. Allez, bon courage, Stéphane. Je vais aller un peu préparer les choses, travailler. Et puis, ma foi, on essaiera de se rencontrer. Et puis, de travailler tous ensemble. Donc, je compte sur vous, bien sûr. Merci. Le prochain rendez-vous, c'est quand ? Eh bien, ce sera le Conseil des ministres à l'Élysée. Voilà. Oui, je connais des gens. Voilà, merci. J'en ai deux, je vais les chercher maintenant. Voilà, il y en a une bonne là. Ouais, il y en a sûrement une bonne. Voilà. Une dernière pour moi. Messieurs, voilà, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les journalistes, s'il vous plaît, voilà, on va maintenant s'arrêter, s'il vous plaît. Merci. Merci les bureaux. À tous.